Bonjour, nous sommes à Khao Lak en Thaïlande. On est à vol d'oiseau à 3 km de la mer d'Andaman et je vais vous présenter notre petite villa. Voilà, bienvenue chez nous. Alors, ce petit temple qui n'est pas un temple, qui est en fait la maison des esprits, c'est une tradition de la religion bouddhiste. Donc, toutes les maisons en Thaïlande possèdent un ou plusieurs temples. Et donc, par respect pour leur religion et leur accueil, on a mis le nôtre. Donc, la maison des esprits, elle va protéger notre terrain, notre maison et tous les habitants qui s'y trouvent. Derrière, on a un super bouddha bouddhiste. Qui vient d'être planté, donc pour l'instant il est un petit peu chétif, hein, mais il va être magnifique, quoi. Couleur rose fuchsia. Ici deux petits genre troènes qui sont en fait la spécialité des temples, et devant on a deux petits jasmins. On a encore un arbuste à fleurs qui vient d'être planté là, il y a 2 semaines, donc il prend ses racines et pour l'instant, je ne sais pas ce que c'est encore comme fleur. De loin, je pense que vous voyez là les 3 cocotiers. Donc, ils ont été apportés il y a 6 semaines à l'état adulte, comme tout le reste en fait, tout le reste de la population, dont la pelouse. Tout a été apporté à peu près le même jour et planté. Ici, on a un très bel arbre, on en a un deuxième là-bas qui va faire d'énormes fleurs qui sont des gros pompons plumes. Il est très joli, ça. Il y a des petits arbustes pour compléter la série de bananiers. Alors, ce palmier, c'est un yellow palm. Yellow, tout simplement en jaune en français. Tout simplement parce qu'il a ses tiges qui sont jaunes. On attend d'ailleurs le deuxième qui devrait être planté, on espère, cette semaine. Là, on arrive sur la série des bougainvilliers. Donc voilà, il y en a un petit peu de toutes les couleurs. Par exemple, celui-ci, il y a une semaine, il avait perdu toutes ses fleurs. Et donc, en une semaine, voilà ce qu'il donne. Par ici, ce ne sont pas des bananiers, bien que ça pourrait y ressembler. En fait, voici les fleurs, c'est des becs de perroquet. En bas, on a le vera. Et ce palmier, c'est un red palm, red, rouge en français. Comme le prédécesseur avec ses tiges jaunes, celui-ci a les tiges rouges. Voilà, là on a deux palmiers éventails. On les appelle éventails parce que pour l'instant on ne connaît pas le nom. Et ce sont des palmiers qui vont monter à 2 mètres, 2,50 mètres, voire peut-être plus. Cet arbre-là, c'est le même que je vous ai présenté tout à l'heure. Il a été planté un petit peu plus tôt, donc il est bien feuillu maintenant. On attend ses fleurs. Ça sera la surprise au niveau de la couleur. Alors là, il y a ces petites fleurs-là, alors elles ne durent pas longtemps, en principe une petite semaine. Elles sont vraiment très particulières et surtout hyper odorantes.
là, on a une série également de bananiers pour compléter le bout du terrain. Là, on passe à côté du local piscine. Et ici, on se retrouve donc sur l'arrière de la maison. Donc la limite, on a 3 mètres en fait, de profondeur. Et ici derrière, c'est encore en l'état de terre. Ça va être décaissé dès que le terrain sera vendu pour construire une autre maison. Donc des futurs voisins. Alors la maison a été construite en L de façon à avoir le plus grand nombre de baies vitrées, donc d'ouverture, de luminosité, et pour que toutes les pièces en fait s'ouvrent sur la piscine, sur la terrasse et bien sûr sur le jardin. Voilà, maintenant on va visiter l'intérieur. Dans notre petite voiture qui a 10 jours. Et on a 2 scouts. Nous sommes ici dans la partie living room. Il y a encore quelques petits aménagements de décoration notamment à faire. Là, je vais me mettre à côté du Bouddha, donc cette peinture qu'on a fait faire à Kaolack. Pour vous montrer la hauteur, en fait, il fait 1,60 de haut, 1,40 de large. Et il est super. Et voici la cuisine. La partie cuisine, tous les meubles on les a trouvés à Phuket, donc on trouve de tout. Si on voulait meubler en local, on aurait meublé en local, mais voilà, on préfère le contemporain. Juste à l'entrée, on va y accéder ici, on a un cellier qui nous permet d'avoir la machine à laver, d'avoir le sèche-linge et puis un petit peu de rangement. Et le sèche-linge ici étant obligatoire, surtout pour les serviettes, parce que sinon ça sèche très vite, c'est très dur. Et là, nous arrivons dans la première partie nuit, donc c'est notre chambre. Avec en première pièce le dressing. On arrive ensuite dans la chambre. Alors les lits ici en Thaïlande, c'est presque une tradition, ce sont les king size, donc 1,80 m. Ça va, on a de la place. Et voici notre salle de bain. Donc celle-ci comporte notamment la baignoire
Et forcément, la touche était des mains. Donc la chambre, ben voilà, comme je le disais tout à l'heure, elle donne sur la baie vitrée et directement sur la piscine. Alors on remet les lunettes de soleil parce qu'aujourd'hui il fait vraiment très beau, malgré qu'on ait des orages assez violents tous les soirs. Là, la température aujourd'hui, elle doit être avoisinante de 36 et la température de la piscine, 33. Donc ça va, on se mouille pas la nuque pour rentrer dans la piscine. On va aller directement dans la partie nuit numéro 2. Voilà, idem, un lit king size. La salle de bain. Et le dressing attenant à la chambre 2. Qui va faire office également de bureau. Pour l'instant, l'aménagement n'est pas définitif, puisque le bureau va aller au fond. Et puis on va certainement couper la pièce en deux. Et là, toute cette partie dressing, c'est du bambou, c'est local, c'est été fabriqué à Kaolack sur mesure. Donc on a 2,80 m de dressing ici, 2,80 m ici, donc il y a de quoi encore remplir. Et voilà, en sortant du salon. Notre lieu préféré, c'est celui-ci. Et voilà, et là on est bien. Et là, ça donne envie de plonger dans la piscine. Mais bon, je suis habillée, donc je vais peut-être pas y aller aujourd'hui. Pas tout de suite. Voilà, c'était Silat en Thaïlande et j'espère que vous avez apprécié la visite. Au revoir à tous, bisous bisous.